Nous allons vous dire merci pour sa présence et nous allons ensemble lui demander de nous conduire durant toute cette rencontre, de nous inspirer, de nous imposer lui sa volonté. Prions sans cesse.
Seigneur étend sa main sur ce ministère, de nous aider tout à l'heure par rapport à des décisions que nous prenons, la nouvelle vision, que Dieu nous inspire, lui, sa volonté, ce qu'il a décidé là-haut, là, qu'il nous impose ça, qu'il nous donne de comprendre comme lui, il veut, parce que nous devons marcher selon la vision de Dieu. Prions ensemble, Seigneur. Seigneur, merci. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié, on dit Amen. Amen. Et Dieu bénisse.
Because I don't come with the best one, you have a good man. Amen. The pastor said, you're going to say, hey, hey, hey. Ici, là, c'est l'administration. Donc, oui, Jésus, là, Jésus, là, c'est là-bas. Amen. Amen. Voilà, je suis très heureux de vous voir sur terre. Amen. Amen. Il est un moment important de communiquer, voilà, de se rencontrer souvent, de temps en temps, et de parler, comme ça, c'est sûr, clair. Vous êtes dans un ministère, le ministère de la compassion des âmes. D'abord, il faut que chacun se présente. Amen. Amen. Je dois sentir que vous êtes là. Amen. Pour voir s'il n'y a pas de fâchement dans les cœurs, si les gens sont désarmés, si il n'y a pas de truc. Monsieur, on va commencer par ici. Vous ne dites pas la fonction, vous présentez membre du ministère. Je préfère comme ça, membre du ministère. Membre du ministère, membre du ministère. Monsieur Kwasi Bruno, membre du ministère MCA. Je suis Elisabeth Godet, je suis membre du ministère. Je me nomme Yao Denise. Regarde la caméra, s'il vous plaît. Je suis membre du ministère. Je me nomme Kapu Godo Sylvie, membre du ministère. Je me nomme Gaï Gikoma, membre du ministère. Je me nomme Kapu Aleboa Malem, membre du ministère. Je me nomme Tara Minagel, membre du ministère. Je me nomme Bobo de Carmo Angel, membre du ministère. Je me nomme Yao Ati, membre du ministère. Je me nomme Kibo Aman, membre du ministère. Je suis Vincent Consav, membre du ministère. Je me nomme Kosso de Yosanka, membre du ministère. Je me nomme Kibo Rachel, membre du ministère. Je me nomme Vradaya Zerbin, membre du ministère. Je me nomme Fadio Ayat Adi Krisi, membre du ministère. Je me nomme Kofu Rosso, membre du ministère. Je suis Edouard Alfred, membre du ministère. Je suis Nogo Gosson Henri, membre du ministère. Je suis Emmanuel Dipro Théophile, membre du ministère. Je suis Nogo Emmanuel, membre du ministère. Pour Gabriel Bonaventure, membre du ministère. Bon, je m'appelle Philippe Kwasi Vincent, membre du ministère de la Compassion des Âmes. Je me nomme Koyane Rufin, membre du ministère. Je me nomme Vincent Nago Théophile, membre du ministère. Non, je pense que je le présente officiellement tout à l'heure. Je vais le présenter tout à l'heure. C'est un nouveau comptable, mais je vais le présenter tout à l'heure. On m'appelle Madossier Mangou. Pas français. Tiens. Dabou Philippe, membre du ministère. Yaoundé Serge Éloge, membre du ministère. Béni Eric, membre du ministère. Non, tu es pasteur. Représente la plutôt des deux. Dabou Philippe, pasteur du ministère de la compassion des âmes. Oui. Yaoundé Serge Éloge, pasteur du ministère de la compassion des âmes. Oui, ben lui, c'est mon chauffeur. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Je n'ai pas voulu qu'on bat le ministère de compassion des gens, sinon il y a des gens qui ne vont pas vouloir parler. Amen. Donc, membre du ministère, c'est déjà bon. Amen. Amen. Voilà, vous êtes tous membres du ministère de la compassion des âmes. Oui, l'inspiration était donnée dans le passage de Matthieu 19, et 9 plutôt, le verset 36. On peut me lire. Matthieu 9, 36. Écoutez très bien. C'est à partir de ce passage que le Seigneur m'a amené à bâtir ce ministère, à faire ressortir le ministère de la compassion des âmes. Et quand on parle de ministère de la compassion des âmes, quand on parle de compassion, c'est compatir. C'est-à-dire partager la douleur de l'autre. C'est ça. L'autre ministère, c'est de porter le fardeau de l'autre, aider l'autre à changer, aider l'autre à être transformé. C'est pour ça que vous trouvez dans ce ministère-là des êtres sorciers qui sont à l'aise avec nous. C'est un ministère, un service basé sur le christianisme qui partage la douleur, qui aide les gens. C'est pour ça qu'au sein de ce ministère, vous trouvez sans des prières de délivrance. Nous aidons les malades, nous délivrons les malades. Donc, compatir, compassion, c'est la compatir, porter la souffrance de l'autre. Donc, suivez selon la parole de Dieu, dans Matthieu 9, 36, écoutez frère de la parole de Dieu. Il dit la parole,
Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle. Parce qu'elle était languissante abattue. Elle était languissante et abattue. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Ils n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande. La moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson. Priez donc le maître. D'envoyer des ouvriers dans sa maître, dans sa moisson. Amen. Amen. Il arrivait le moment du ministère de Jésus-Christ. Jésus-Christ a vu, n'est-ce pas, des brebis, c'est-à-dire non, les arbres, qui n'avaient pas de berger. On dit Jésus ému de compassion, on va dire réalise ses brebis. Non, pas de berger. Donc priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Amen. Amen. Vous êtes des ouvriers de Jésus-Christ que Jésus-Christ va amener dans sa grande moisson. Amen. Amen. En fait de pouvoir aider, préparer l'Église par rapport au retour de Jésus. Amen. Nous avons commencé. Et le Seigneur m'a mis à cœur que tous les mercredis, il aura la formation des disciples. C'est un centre de formation. Tous les mercredis, notez très bien. À partir d'aujourd'hui, le mercredi qui va suivre tous les mercredis, il aura la formation des disciples. C'est pour ça qu'on a créé le tableau. Il faut qu'on vous forme. Ouais, il faut qu'on vous forme. Et c'est possible. Tu n'as pas forcément besoin d'être à l'école. Il faut qu'on vous forme. Je souhaite de mettre un système en place pour que déjà mardi déjà, que tout le monde soit ici mardi soir, qu'on dorme ici. Pour ceux qui n'ont le temps, ce n'est pas obligé. Pour ceux qui ont le temps, dorment ici mardi, on prie. Mercredi, matin, on commence la formation. Une autre réunion, et puis on commence la formation. Pour ceux qui ne savent pas lire, on a déjà commencé à prendre des dispositions pour vous former. Vous apprendre à lire. Et ça, c'est important. Parce que vous êtes appelés, chacun d'entre nous est appelé un jour à servir Dieu. Amen. Donc, déjà, à partir d'aujourd'hui, notez très bien que tous les mercredis, il y aura la formation des disciples. Amen. Tous les mercredis, c'est toi qui as fait le tableau. Tous les mercredis, il y aura la formation des disciples. Le mercredi prochain, par la grâce de Dieu, vous aurez encore, à part moi, vous aurez encore d'autres hommes de Dieu. Il y a Bézi Champion qui doit être là. Aujourd'hui, j'ai tout là au téléphone. Il veut forcément partir à Paris. Je lui ai demandé de reporter son voyage. Et c'est l'impératif. Il doit être là. C'est quelqu'un qui est bien, il a déjà fait une formation. Il a déjà une grande église à Le Poumon. Il sera avec nous par la grâce de Dieu. Je lui ai dit, demain on se rencontre. On se revoit encore demain. Il va reporter son voyage pour qu'il soit avec nous la semaine d'avant. Donc, je crois bien que sa participation la semaine prochaine, il va nous former. Voilà, il va nous former parce qu'il est. Je vous informe qu'il est. C'est un grand orateur. C'est un grand enseignant. Donc, il sera avec nous. Pour d'autres qui ne le savent pas, Lézy, c'est un grand enseignant. Donc, je pense qu'il sera avec nous. Et puis, un autre pasteur qu'on appelle le pasteur Yuma, c'est un révérend qui a une grande église à la Riviera, un ami, qui sera aussi avec nous. Il fallait vraiment faire asseoir tout ça pour penser à votre formation. Il faut qu'on vous forme. Amen. Il faut qu'on vous forme. Quand on parle de disciples, vous savez, Jésus a pris le temps de former les disciples. Il a pris le temps de les former. Il comptait sur parce qu'il a mis en eux quelque chose. Vous savez, quand tu n'es pas formé, tu deviens danger. Non seulement ça pour la personne qui te sert. Parce qu'un disciple, c'est celui qui est un maître. Pour que vous soyez réellement des disciples, je dois vraiment circuler vraiment formé. Et quand quelqu'un n'est pas bien formé, il devient un danger. Donc il faut qu'on vous forme. Donc j'ai décidé de vous former. À partir de la semaine prochaine, nous allons commencer la formation des disciples. Il faut qu'on vous forme. Amen. Amen. Jésus d'abord l'a dit, vous êtes d'abord disciples. Et puis il a dit après quoi? Hein? Serviteur. Et puis ami. Il y a trois étapes dans le ministère. Il y a d'abord disciple. Et puis quoi? Serviteur. Pour devenir ami. Pour être ami, c'est que vraiment, tu es dans l'intimité de Dieu. C'est tout ça qu'on va essayer de vous enseigner. On va essayer de parler du ministère. J'ai déjà des bouquins de formation. Comment fraîche? On a déjà ça. L'hermétique. Et puis, là, de la prédication, et tout ça va vous former. On va vous former aussi comment diriger. Vous devez tout savoir ici, comment diriger un culte. Comment diriger une réunion. Comment diriger un culte. Vous devez tout savoir ça. Vous n'êtes pas que personne te dit, sans lui, on ne peut pas. Non, vous devez tout être formé. On doit vous apprendre tout ça. Moi, c'est un peu ma formation. Je suis formateur. On va vous apprendre beaucoup de choses. J'essaie maintenant avec qui je m'en vais. Donc, je suis maintenant capable de vous investir en vous. Au départ, on voyait tout le monde, c'est vrai, c'est comme ça le temps de Jésus. Et puis il a pris le temps de sélectionner des personnes qu'il appelait apôtres, qu'il les envoyait après avoir investi en eux beaucoup de choses. Jésus, vous savez, ce n'est pas le temps qu'on passe sur la terre qui est plus. C'est pas le nombre d'années qu'on passe sur la terre qui est plus important. Le temps, c'est-à-dire le temps que Dieu t'a donné, il faut marquer ton temps. C'est ça. Dieu nous a donné un temps, nous avons un temps. Le temps sur la terre, il est bref. Nous avons longtemps sur la terre. Ce sera que quand Dieu te donne l'occasion de changer, il faut changer.
Quand Dieu te donne cette occasion de pouvoir le servir, il faut le servir. Parce qu'on ne sait jamais. Jésus-Christ, il a eu 3 ans de ministère. Jésus a eu 3 ans de ministère. Il a marqué son époque. Jusqu'à aujourd'hui, on ne parle que de lui. Toi, tu dois marquer ton histoire. Dis à quelqu'un, tu dois marquer ton histoire. Amen. Nous devons marquer notre histoire. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Ne vous négligez pas. Tu es dans ta cuisine, tu es au village, peut-être à la commune, demain toi tu retournes peut-être en Londres en train de prêcher. Je vous dis la vérité, ne vous banalisez pas. Si vous savez qu'un jour, vous devez être en ministère. Vous allez manger un jour. C'est le plan de Dieu pour toi. Dis à quelqu'un, c'est le plan de Dieu pour toi. Amen. Donc, il ne faut pas te sous-estimer, il ne faut pas te banaliser. Mais la seule chose, il faut comprendre que Dieu te veut. Dieu veut aller avec toi. C'est la seule chose. C'est la prise de conscience. C'est-à-dire, quand vous regardez votre vie, depuis jusqu'à maintenant, vous devez comprendre que Dieu a quelque chose d'important pour toi. Maintenant, c'est toi qui donnes la possibilité à Dieu de t'utiliser. Dieu va te faire comprendre qu'il a besoin de toi. Maintenant, c'est toi qui dois dire, non, je ne veux pas où je veux. Donc, tout dépend de nous. Dieu dépend de nous. C'est la paix de Dieu. Que tu sois en train de balayer, nettoyer, c'est la paix de Dieu. Dieu veut vous utiliser. Dieu veut aller très loin avec vous. Mais tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Dieu, il est bon. Amen. Amen. Demain, tu vas prendre un avion. Tu vas prendre un jour. Amen. 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 Avec Dieu, il faut rêver. Amen. Moi, quand je finis de prier, je m'en sors, je rêve. Je rêve. Tant que tu ne rêveras pas, tu ne verras jamais Dieu dans ta vie. Amen. Dieu marche avec les rêveurs. Amen. Ce que tu veux être demain dépend de toi. Amen. Ça dépend de toi. Pour que Dieu bénisse Abraham, il a dit à Abraham, regarde les étoiles du ciel, si tu peux les compter, telle sera ta descendance. Avant que Dieu ne bénisse Abraham, Dieu a donné la changer d'abord le nom d'Abraham. Donc, vous devez changer de mentalité. Vous devez changer, ah, non, je suis à recouvrir, c'est moi-même. Non, toi-même, tu peux. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Dieu prend des vauriens, des gens qu'on ne considère pas. Il les prend, il les met à la table des rois. C'est cette personne à qui vous êtes aujourd'hui. On ne considère même pas dans la famille. Comprenez pour Saint-Pierre, tout pour nous. C'est vous là, Dieu a besoin de vous. Hein? Vous amenez la table des rois. C'est vous qui allez parler demain à les présidents de la République. Dis amen. Vous avez besoin, Dieu n'a pas besoin des gens. C'est de vous les gens qui ne sont pas truc, c'est de vous. Les disciples de Jésus, là, les disciples de Paul, là, c'est des gens, ils ne se connaissaient même pas à Bézélie. Pierre ne connaissait pas ça. C'est Paul qui était intellectuel. Pierre, lui, il prend filet, il va jeter dans l'eau, il prend ton, il sait où on achète, on prend ton, mérou, tout ça. C'est son problème, ça. Amen. 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 Mais c'est lui que Dieu a utilisé pour être responsable de l'église, le garant de l'église. Amen. Il ne faut pas te négliger. Là où on arrive, il faut comprendre que c'est le plan de Dieu pour toi. Le plan de Dieu, c'est que Dieu veut que tu sois à son service. Amen. Amen. Il faut que tu sois au service de Dieu. Il faut que tu comprennes que Dieu t'appelle maintenant à des choses sérieuses. Non. L'enfantillage, vous devez laisser tout ça. Et vous mettre parfaitement au service de Dieu. Ça a commencé, Dieu va commencer. Mais Dieu compte sur toi. Ce que Dieu a mené dans ton cœur, c'est que tu aies la compassion des âmes. Pas la compassion des biens des bas. Sinon, tu as un problème. Compassion des âmes. Il ne faut pas que les manger. Hein. Ne pas manger ça. Tu as quelqu'un qui a la compassion des âmes. Et la compassion des âmes. Vous savez ce qu'on appelle compassion? C'est quoi? Pitié. Partager la douleur. 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 La compatie. C'est comme ça les dons viennent. C'est comme ça les dons se déclenchent. Quand tu commences à aimer un malade, prier pour lui, tu prends soin. Dieu oublie de donner le don. Si Dieu dit que tu donnes le don, tu vas plus l'utiliser. Ah, donne un don. Pour faire quoi ça? Tu vas faire clinique ou bien? Seigneur, donne-moi don de guérison. Fallait faire clinique. Je veux, quand on donne mon don de guérison, je vais te regarder. Est-ce qu'il est prêt? Où il est prêt pour servir un malade? Amen. Amen. Ça commence là. La compassion des âmes. Il faut porter la douleur. C'est ça. C'est pour ça que tout le monde va être au service de Dieu. On est au service de Dieu. Dieu n'est béni pas n'importe qui. Dieu connaît ton cœur, connaît les intentions de chacun d'entre nous. C'est en fonction des intentions qu'il investit. Dieu n'est pas malade. Il ne s'investit pas n'importe qui. Celui qui est prêt à payer le prix, prêt à sauver les âmes, c'est celui-là que Dieu investit. Amen. Alors, ce qui doit vous animer dans ce ministère, c'est la compassion des âmes.
la compassion des âmes. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a Kazaroko. Vous devez comprendre que, ah, si un malade, vous devez prendre soin des gens. Vous devez, le combat que vous devez mener aujourd'hui, le combat, c'est d'arracher les âmes à Satan. Nous devons arracher les âmes à Satan. Que Satan abandonne, que Satan laisse des personnes. Parce que Dieu nous a appelés à évangéliser. C'est un métier d'évangélisation. C'est d'aller faire des nations des disciples. Amen. Amen. Et nous devons évangéliser autour de nous. Nous devons évangéliser les personnes autour de nous. Il faudrait que nous évangélisions. Nous pouvons transformer Zaroko tout devant de nous. Amen. Nous pouvons transformer Zaroko. Nous devons évangéliser. Au stade où nous sommes arrivés aujourd'hui, il faut que nous évangélisions. Il faut que Zaroko soit embrasé par le feu du réveil. Il y a le réveil spirituel. Dans chaque maison, qu'on sent que les gens sont en train de prier. Dans chaque maison, il faut qu'on sente que les gens sont convertis. C'est notre combat maintenant. On a fait des livrants des Zaroko, on a prié, on a récent des prières des Zaroko. Mais est-ce que les gens de Kado sont convertis? C'est un autre combat que nous devons mener. Amen. Amen. Parce que là où tu es membre du ministère de la compassion des âmes, tu dois comprendre que tu dois évangéliser. Donc arrêtez vos histoires où vous êtes là en train de causer des choses inutiles. Là, quand vous êtes quelque part, vous devez évangéliser. Nous avons un défi à relever aujourd'hui, c'est de transformer ça. Et permettre aux gens que leur mentalité change, qu'ils comprennent, parce qu'ils ont déjà vu beaucoup de signes. À Zaroko, il y a trop de miracles. Dieu ne peut pas opérer des miracles comme ça, hein, dans un endroit où il n'est pas prêt à s'investir. Donc, vous, en tant que membre, nous, en tant que membre du ministère, nous devons, ce qui devons nous intéresser maintenant, c'est d'évangéliser. Ça veut dire que nos comportements, nos manières de faire, doivent évangéliser. Est-ce qu'on dit amen? Amen. Si l'évangélisation, ce n'est pas seulement en parole, nos comportements doivent changer. Je vois, il dit, les heures passées restent les heures passées. Maintenant, là, que chacun fait des efforts pour être en règle. Parce qu'on peut, commettre des erreurs, on peut faire des choses. Mais à partir d'aujourd'hui, il faudrait que notre manière de faire change. Amen. Amen. Donc, quelque part, tu dois comprendre que je suis un ambassadeur. Ce que je dois apporter là, c'est la vie. Pas quelque chose de bizarre. Il faut apporter la vie autour de toi. Et quand vous êtes en quelque part dans une rencontre, qu'il y a des choses bizarres, levez-vous. Quand vous constatez que les gens sont en train de parler des choses, retirez-vous. Parce que vous n'êtes pas appelé à ça. Vous êtes appelé à porter la vie autour de vous. Amen. Amen. Jésus nous a donné un ministère. C'est le ministère de la réconciliation de la vie. Nous devons communiquer la vie autour de nous, pas la mort autour de nous. Donc quand tu es quelque part, tu dois te dire d'abord Christ, ton image, là où tu es là. Christ d'abord. Amen. Amen. Nous sommes maintenant servis de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai dit, pour mieux servir Dieu, il faut le connaître. C'est ça la théologie. Nous allons vous former. Tous les mercredis, il y aura ici. La formation des disciples. Je commençais à vous former. Parce que Jésus formait les gens, les envoyait en mission. Il faut qu'on vous forme. Amen. Pour que vous soyez. Je vous assure, jusqu'en décembre, avec la formation que j'ai commencé, je suis en train de classer les trucs, les thèmes, jusqu'en décembre, vous serez les hommes les plus tirés. Dis amen. Amen. On va mettre en vie quelque chose qui va se déclencher. Quand vous allez écouter les enseignements, vous-même, là, vous serez obligé d'aller évangéliser. Tu as trouvé que non, tu es en train de faire des trucs irrités. Tu as oublié de l'évangéliser. C'est parce qu'on ne savait pas des choses. Quand on commence à vous former, nous allons changer ça. Oh. Il faut que d'ici décembre, qu'on sente que dans chaque maison, les enfants sont convertis. Oui. Les gens courent parce que Dieu. Il faut, oui, nous sommes arrivés à ce stade. Parce qu'il faut que le ministère ait des impacts sur Zaroko. Il faut que notre ministère, ce ministère-là, voyez, c'est ça. Parce que là où il y a la vie de Dieu, le développement s'installe. Le développement obligé de s'installer. Les cartes sont obligées de venir se construire. Les gens sont obligés de venir s'investir. C'est comme ça. Mais ça a commencé par la conversion. Parce que là où il y a le peuple de Dieu, Dieu oublie d'agir. La crainte de Dieu a commencé à s'emparer avec les gens. Les gens vont commencer à aimer et vont avoir l'amour de Dieu. Dieu est obligé d'envoyer tous les moyens possibles pour faire développer ça. Amen. Amen. C'est pour ça que la formation, ça s'impose à nous. Amen. Tous les mercredis ici, par la grâce de Dieu, il y aura la formation. Amen. Nous allons vous former par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Mais pour démarrer, en même temps, je veux commencer à vous enseigner. Amen. Il y a une petite présentation. Cette réunion est organisée pour un espace structuré que le ministère a encore. La dernière fois, j'ai parlé de la vision. J'ai parlé de la vision. J'ai expliqué beaucoup de choses. Je vais vous expliquer qu'il y a ce qu'on appelle le choisi. Et puis là, celui qui est choisi, travaille avec les appelés. Dieu a choisi quelqu'un. Je suis le prophète. Et c'est lui qui a la vision. Donc, les collaborateurs sont des choisis qui viennent l'aider dans sa vision. Et quand on s'oppose à un choisi, Dieu vient d'agir. On a vu l'image de Aaron et Marie qui se sont levés contre Moïse. Ils ont commencé à persécuter Moïse
tu as commencé à dire des choses sur Moïse. Moïse ne savait pas, mais c'est rentré dans l'oreille de Dieu. Et Dieu était obligé d'agir. Et Dieu les a tous convoqués devant le, c'est-à-dire à l'église. Parce que le temple de l'assignation, c'était la présence de Dieu, c'était dans l'église. Dieu les a tous convoqués, les trois. Et puis Dieu parle maintenant, il défend Moïse, il dit, vous avez numéré contre Moïse, mais lui, là, c'est mon serviteur. C'est pas vous qui l'avez choisi, c'est moi qui l'ai choisi. Vous êtes obligé de vous aligner. C'est pas à vous de le critiquer. Et Dieu est obligé d'agir. Donc quand quelqu'un établit sur toi comme leader, comme un choisi, quand tu te lèves contre lui, mais tu es obligé de tomber sous le jugement de Dieu. Donc je vous ai très bien expliqué. Vous dites, vous êtes en même temps sur un terrain très dangereux. C'est vrai que vous servez Dieu, mais vous êtes en même temps sur un terrain très dangereux. Un leader doit l'aider. Un leader doit l'aider à aller de l'avant. C'est pas à vous de l'exposer. Vous devez l'aider. Je vous ai dit ici, le secret du ministère reste le ministère. Il y a des choses que les gens doivent savoir. S'il y a des choses qui se passent entre nous, nous devons étouffer ça. Vous ne pas permettre aux gens de savoir certaines choses. Parce que c'est à partir de l'information qu'on peut détruire un ministère. Et à partir d'aujourd'hui, on lui a dit, l'erreur est passée. Tout ce qu'on a fait avant, c'est passé. Maintenant, c'est des choses sérieuses. Nous devons nous battre pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Partout, d'ailleurs. Amen. Donc, un leader ne joue pas avec lui. Un leader ne joue pas avec lui. Quand tu te lèves contre un leader, tu as le châtiment de Dieu sur ta vie. Je pense qu'on a bien compris. Amen. Amen. Et j'ai décidé de prier pour vous. C'est important. Parce qu'il faut qu'on prie pour vous. Qu'on vous consacre à ce ministère. Pour que la grâce de Dieu soit sur vous. Qu'il vous donne encore l'onction nécessaire pour réussir dans ce ministère. Amen. Donc j'ai décidé que la semaine prochaine, nous sommes en train de tout organiser par la grâce de Dieu. Pour que cette semaine-là, qu'on ait le temps d'organiser Zaroko. Et j'ai expliqué très bien, je pense qu'on essaie bien de faire comprendre. Il n'y a pas Zaroko et puis il n'y a pas Divo. Divo, c'est ça, vous ne voyez pas, les gens, c'est les lattes. J'ai interdit ça. J'ai dit non, si tu veux un acte de je te chasse. Je te dis pardon, c'est à Zaroko. Zaroko, c'est notre centre d'opération. Tous les jeudis, vendredi, samedi, dimanche, nos activités démarrent à Zaroko. Nous avons 3 jours de repos. Et pendant les 3 jours de repos, ici, il y avait des descentes d'un jeune. Tous les mardis, lundi et mardi, nous avons un jeune. Nous avons un jeûne. Pourquoi? Parce qu'il faut que spirituellement, nous soyons en forme pour affronter la semaine. Vous savez, la Bible dit que celui qui aimera son corps, ses parents, plus que Jésus-Christ n'est pas digne d'être disciple de Jésus. Il dit celui qui voudra me suivre, il faut le renoncement. Parce que quand tu veux suivre Jésus, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il faut même porter ta croix. C'est tout ça la croix. Donc lundi et mardi sont nos jours de jeûne et prière. Amen. Amen. Nos jours de jeûne et prière, nous allons nous retirer pour intercéder pour le ministère, pour intercéder pour beaucoup de choses. Parce que notre ministère dérange le diable. Et quand tu déranges le diable, il va aussi t'attaquer. Et l'âme la plus puissante du chrétien, c'est la prière. Amen. Amen. Alors nous allons veiller là-dessus. Parce que non seulement ça le jeûne, nous ferons du bien. Amen. Amen. Moi, j'en ai pris mes dispositions pour que mardi, déjà lundi, mardi, je sois avec les gens ici. Je suis en train de m'organiser pour que vraiment tout le monde respecte ça. Pour qu'on respecte ça ensemble. Qu'on ait la même manière de voir les choses que lundi, mardi, tout le monde est off ici. On touche souvent tout le monde en jeûne. Qu'on prie pour que le Seigneur bénisse le ministère. Amen. Amen. Nous allons tous démarrer la semaine prochaine. Pour ceux qui n'ont pas fait, moi, je serai dedans la semaine prochaine pour que tout le monde, quand on dit lundi, mardi, tout le monde en jeûne. Moi-même, y compris moi. Voilà. Je serai ici par la grâce de Dieu. Vous priez avec eux, tout le monde va gérer. Maintenant, là, il n'y a pas fait une négligence. Tu es dedans ou tu n'es pas dedans. On est en train de faire quelque chose. Toi, tu es dedans, oui. Tu n'es pas dedans. Il faut qu'il désaille, tu n'es pas, tu ne vois pas la même négligence. Et toi, je n'ai pas fait. Tu vas donner une explication. Tu vas donner une explication. Vous savez, la spiritualité a horreur de la négligence. Et c'est ça. Nous négligeons les choses. C'est ce qui fait que le diable, nous ouvrons les portes au diable. Si on vous dit mardi, ah, on a dit tout le monde en jeu. C'est comme l'armée. L'armée, on dit, excusez-moi, on dit, c'est ta maman, il faut la tuer. Tu n'allais pas demander. Chef, viens à Ficoua, chef, viens à Ficoua. Pardon. Ah! Tu dis, chef, d'abord, lui, il te tue déjà. Il était déjà. Chef, ma maman, tu n'en comprends pas. C'est ma maman. Pardon. Bah, le chef te tue. Il dit, tue, tu tues. Ça appelle lui donner l'explication. Ouais. Donc, les thèmes militaires, les thèmes de Dieu, là, c'est des thèmes militaires. Dieu est le Dieu de Jéhovah Shabbat, l'éternel, le Dieu des armées. Donc il faut exécuter. Et c'est ça notre problème. On a demandé, pourquoi nous, on a dit, c'est Jéhovah Jibio. Elle va gêner. Qui va gêner? Dégage!
Amen. Amen. Quand les gens mangent, les gens disent, mangez. On dit, j'ai jeûné. Amen. Amen. C'est comme ça, ici, c'est comme ça. C'est l'armée. Jeûne, ça fait du bien. Et moi, j'ai instauré ça. Moi, je serai dedans par la grâce de Dieu. Amen. Le lundi et mardi, tout le monde, c'est une journée, les deux jours-là, nous allons nous retirer, chacun prie. Pour le ministère, on a les sujets du ministère, on prie pour le ministère, chacun va prier, et ça fait reposer le corps. Amen. Quand tu ne manges pas pendant deux, ça fait reposer ton corps. Oui, ça fait même reposer ton corps. Et puis, le jeûne et prier, ça te fait récupérer sur le plan spirituel. Parce que, imaginez-vous, jeudi, vendredi, samedi, on aura déjà dégagé assez d'énergie spirituelle. Il faut les récupérer. C'est ça la foi de Jésus. Quand Jésus finissait de prier pour les gens, il montait sur la montagne. Quand vous regardez la vie de prière de Jésus, moi j'ai vu ça en christianologie, il montait toutes les nuits de temps prière. Il chargeait la batterie. C'est comme le portable. Quand tu appelles, ça se décharge. Jésus dit, il a dit, une force est sortie de moi pour guérir. Donc il y a des forces qui sortent de toi. Quand tu pries là, c'est ce qui est en toi que tu communiques aux gens. C'est ce qui est dit aux gens, ne laissez pas n'importe qui prier pour vous. C'est ce qui est en vous là que vous communiquez aux gens. Mais bien, c'est ça. Donc, le fait même que lundi m'a dit, c'est pour ton propre bien, c'est pas maltraitant ton corps. Plus tu généras, vous savez, celui qui gêne beaucoup et qui prie beaucoup, il y a une grande onction qui repose sur lui. Les grands hommes d'onction, ce sont les hommes de prière. Ce sont les hommes qui cherchent à. Moi, j'ai fait déjà 21 jours sans manger. Oh, 21 jours, mon ministre. 21 jours. Les grands hommes qui sont rentrés dans le domaine du miracle, dans le domaine puissant. Que Dieu utilise pour son genre d'histoire, c'est des hommes de prière. On avait David, qu'on appelle Moïse. Moïse a fait 4 fois 40 jours. Et 2 fois 40 jours sur la montagne. L'apôtre Paul, c'est un homme de prière. Jésus, à l'image de Jésus qui a commencé, il disait 40 jours dans les en train de prier. Donc quand quelqu'un prie, se retire, prie, vous allez voir, au fur et à mesure que vous allez prier, d'ici 6 mois, si c'est bien respecté, les gens répondent-vous. Quand vous allez dire bonjour à quelqu'un qui va tomber. Quand ils disent bonjour à quelqu'un, monsieur, bonjour à terre. Ah, ils parlent. Ils ont vu l'expérience ici. Moi, je suis rentré, il y a une dame qui est assise là. Elle ne me connaît pas. Dès qu'elle m'a vu, elle a commencé à rêver. Tu dis à quoi? Elle dit non, qu'elle t'a vu. C'est ça l'onction. L'onction ne faisait pas ça à la présence. Moi, je ne sors pas de ma chambre à lui prier. J'ai prié, il y a une vie de prière. Donc, quand vous retirez pour prier en semaine, vous vous chargez. C'est une onction qui est chargée en vous. C'est que j'étais en train de faire. Hier, j'ai regardé ce que j'en ai dit. Et ça passe que j'ai en train de préparer. C'est que j'étais en train de faire. C'est tout. Les gens n'ont plus ce temps. Les gens n'ont plus ce temps. Et vous avez ce temps de vous retirer, prier. C'est si vous devez apporter. C'est vous qui devez utiliser demain pour apporter un grand réveil mondial. Il y a un réveil mondial en train de se préparer. Et ça va commencer par l'Afrique. Donc Dieu change les gens. Vous avez dans le passage, il dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Effectivement, il y a peu d'ouvriers. Il y a un réveil que le Seigneur veut apporter à partir de l'Afrique. Donc Dieu cherche des gens. Des gens consacrés, des gens prêts à payer le prix. Et je vous assure, quand tu pries, l'onction, ce n'est pas fait de lire, c'est une question de prière. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, tu es connecté à Dieu. C'est ça. C'est ce qui fait que déclenche l'onction. Plus tu seras dans la présence de Dieu, l'heure, ça veut dire, ça dépend aussi de l'heure, le temps que tu pars dans la présence de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, vous n'avez pas prié une heure. En moins d'une heure, ce n'est pas une prière. Il faut faire plus d'une heure dans la présence de Dieu. C'est comme un portable. Il y a des heures. Il y a des portables en temps de page à l'heure. Moi, mon portable, il faut au moins 4 heures du temps pour charger le portable. Amen. 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 Ça dépend de l'onction que c'est ta vie. Il faut charger ta vie. Donc quand vous priez, priez, là, quand on prie comme ça, il y a des énergies, il y a des choses qui se dégagent de vous. Et quand tu n'es pas, tu ne charges pas ça, tu deviens faible sur le plan spirituel. Un petit sorcier peut te manger. Les petites attaques bizarres, les gens viennent dans vos maisons vous attaquer parce que vous êtes faible. Vous êtes faible sur le plan spirituel. Donc j'ai décidé d'instaurer quelque chose. C'est-à-dire à partir de lundi, mardi, tout le monde. C'est-à-dire ça doit être un réflexe. Tout le monde est en jeu. Quand il est lundi, mardi, on sait que c'est un moment où chacun doit chercher la présence de Dieu et même pas prier pour le ministère. Amen. Amen. Donc lundi et mardi, ce sont les moments de jeûne et prière pour le ministère. Amen. Amen. Voilà, maintenant mercredi. Ici, c'est le centre, c'est le mois de formation. Celui qui a le temps peut être là. Déjà même via mardi, soir, vous organisez, vous mettez quelque chose là-bas. Et mardi, vous venez mardi soir ici. Comme ça, mercredi matin, nous. Parce que ici, il y a les veilles de prière. Lundi et mardi. Toutes les nuits, c'est les veilles.
Nous allons couper ensemble le jeûne tous les mercredis. Et dès qu'on finit, on commence la formation. Quand on finit, vous repartez, on demande nos activités jeudi. Voilà, donc il faudrait que vous soyez équipé. Voilà, parce qu'avant de démarrer une activité, c'est qu'il y a quelque chose en toi. Avant de démarrer quelque chose. Non seulement toi, tu es riche en énergie spirituelle, parce que tu vas prier et tout ça chargé, et tu auras quelque chose dans la tête. Amen. Amen. Voilà, donc que Dieu bénisse. Il n'y a pas de Zaroko, il n'y a pas de nos activités sont Zaroko. Amen. Amen. Voilà, sans plus tarder, nous allons bénir la parole de Dieu. Je vais expliquer certaines choses pour qu'on avance. Je vais expliquer certaines choses. Nous allons prendre Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 32 à 36. Et vous avez bien parlé de Bible. Où est la Bible? Où est la Bible? Tu te cherches. C'est maintenant que tu arrives à vous dire. La Bible. Qu'est-ce que tu as vu? C'est comme ça. Moi, je parle de Akwawadi. Je connais les vieilles qui ont des vies. Amen. Amen. Je connais le témoignage d'un monsieur. Le monsieur, là, il aimait tellement, c'est un villageois. On suit ici. Je l'ai connu à Jacques-Ville. Il ne savait pas lui. Tellement qu'il aimait la Bible. Il dorait ça, il se lèvait ça, il dorait ça, il se lèvait ça. Et puis il a dit à Dieu, pardon. Permets-moi de connaître, pardon. Mon âge qui est là, il ne sait pas qu'il était pas enceinte. Et puis il a commencé à lui-même. Mais, tellement qu'il aimait la Bible, il a commencé à lui-même. Amen. Amen. Voilà. Allons-y. Acte 4, 32 à 36. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. On dit tous ceux qui avaient cru avaient même un cœur, même esprit. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Et ils le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph fut nommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mais un homme nommé Ananias. Non. Amen. Amen. Il y a d'abord le passage qui vient de lire dans Actes 4, 32, 36. Je vais vous parler de l'église primitive. L'esprit qui régnait dans l'église primitive, après Jésus-Christ, l'église est restée. Vous savez que, après Jésus-Christ, d'abord Jésus-Christ, il y a eu des disciples qu'on appelle apôtres. Apôtre veut dire envoyé. Apôtre, ça veut dire envoyé. C'est des missionnaires. Donc ils s'investissent dans les apôtres. Il y a eu un qui est mort parmi eux, qu'on appelle c'est qui? Ananias. Non, c'est Judas. Non, les apôtres, les douze qui étaient avec Jésus là. Il y a un qui s'est tué. Judas. Ça m'a dit dans la maison, là, Judas. C'est que la Non. Amen. 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 Donc, mais regardez, Jésus est mort. Bien sûr, il est ressuscité. Il va trouver les disciples. Et les disciples ont demandé à Jésus, Jésus a promis le Saint-Esprit. On ne doit pas. Sinon, il était temps de donner l'explication de où j'ai quitté la nuit. Il est nerveux ou d'or. Il peut être envolé ou bien. Donc, Jésus a promis le Saint-Esprit aux disciples. Ils sont allés dans la chambre et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Amen. Il y a eu d'abord 12 avec Jésus-Christ, et puis il y a eu la multiplication spirituelle. Et dans la chambre haute, au moment où les disciples descendaient, l'esprit descendait, ils étaient 120. La mère de Jésus était dedans, il y avait 120 disciples, et le Saint-Esprit descendait sur. Ils ont commencé à parler en langue, c'était l'église, il y a eu un réveil, paf, il s'est déclenché. Les dons commençaient à se manifester. Et c'est ce qui va se passer parmi nous. Amen. Les dons spirituels, les dons des guérisons, les dons des miracles. Et tout ça, les dons commencent à se manifester, les dons spirituels, et tout ça. Et voici l'esprit qui est né au milieu des disciples. C'est-à-dire que les gens commencent à comprendre que
s'ils sont un, qu'ils vivent ensemble, ils sont un, parce que Dieu c'est l'unité. Dieu le, voilà. Donc l'amour commence à se manifester. Vous savez, quand Dieu commence, pour que Dieu agisse quelque part, il faut avoir le même esprit. Et c'est ce qu'il y avait les disciples. Ils voyaient de la même manière. Amen. À point que chacun même de vendait ses biens pour les apporter au pied des apôtres. Et les gens constataient que parmi eux, même les pauvres étaient soutenus à le ministère. C'était cet esprit-là qui régnait parmi l'église primitive. Amen. Amen. Et c'est ce qui doit régner parmi nous aussi. C'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que nous ayons un esprit partagé. Amen. Amen. Parce que le christianisme, c'est à base d'amour. Et le plus grand commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit. Et ton prochain comme toi-même. C'est le plus grand commandement. Et c'est pour ça qu'un chrétien doit partager, un chrétien doit être amour, il doit partager, il doit nous faire le partage. Et si nous sommes dans ce ministère, c'est ça qui doit nous caractériser. Et comme j'ai un noyau, nous allons travailler dans ce sens. Et dans notre ministère, nous allons nous battre pour que, il n'y ait pas ce problème. S'il y a un problème d'argent quelque part, nous allons nous débattre pour régler ça. S'il y a quelqu'un, bientôt la rentrée, j'aurai l'occasion d'expliquer beaucoup de choses. Mais c'est ça, je suis en train de m'organiser pour qu'il n'y ait plus ce problème. Comment faire pour ne plus qu'on ait des problèmes d'argent? C'est tout ce que nous allons débattre ici. Amen. Mais il faut comprendre que nous devons être un. Ça veut dire quoi? Quand on est un, ça veut dire moi, mon problème devient le problème de l'autre. Amen. C'est ça. Je ne prends pas son problème pour se moquer de lui. Je ne prends pas le problème pour l'exposer. Non. Son problème devient mon problème. Après que même si il y a un problème qui nécessite même que pour l'humilier, pour le détruire, moi je le couvre. Parce qu'il sent qu'il est une partie de moi. On ne détruit pas une personne qui est une partie de nous. Amen. Et c'est un esprit qui doit régner parmi nous. Si nous sommes un, nous devons être en mesure de nous couvrir. Si nous sommes un, nous devons être en mesure de détruire ce qui veut venir nous séparer. Parce qu'il arrivera des gens qui vont vouloir nous diviser. Il va y avoir des personnes qui vont vouloir nous nuire. Et si nous constatons ça, nous devons nous séparer de ces personnes. C'est ça, avoir le même esprit. Et c'est ce qui régnait parmi les disciples de Jésus, au temps primitif. Il est parti, il a laissé cet esprit-là. Et la Bible dit qu'une forte grâce demeurait parmi eux. Puisqu'ils voyaient de la même manière, le Seigneur a commencé à déployer l'onction parmi eux. Si nous voyons de la même manière, vous allez voir que l'onction va commencer à demeurer sur nous. Vous allez vous lever, toucher un malade, ça sera guéri. Ça, c'est rapide. Amen. Amen. Mais ce que Dieu demande, c'est l'unité d'esprit. Nous demande un. C'est ce qui doit régner dans ce ministère. Amen. Amen. S'il y a un souci d'argent, bien sûr, il va y avoir des soucis d'argent. Nous devons nous débattre pour régler ce problème. Amen. Amen. C'est ce qui régnait parmi les disciples. Et Dieu faisait pas mal de miracles. Dieu opérait beaucoup de miracles. Et c'est ce qui doit se régner au milieu de nous. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes appelés à commettre des erreurs peut-être. Mais si vous découvrez les choses, c'est à vous de protéger. Pour pas pour détruire, vous devez protéger la chose, pas pour gâter. Nous sommes devons être un. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La preuve, c'est que Jésus-Christ, quand on pense que Jésus-Christ était mort, il sentait déjà. Mais il y a des gens qui aimaient Jésus. Ils l'ont même aimé jusqu'à la mort. Ils sont même allés même. Mais le parfum sur son corps. Quand on aime une personne, vous savez, pour aller très loin avec une personne, vous l'aimez. Parce que ça parle de l'amour. Quand vous aimez une personne, vous l'aimez plus, c'est vous. Vous allez vous l'aider à avancer. Vous n'allez même pas avoir ses défauts. Parce que vous voyez en lui des qualités. Et vous savez que s'il a des qualités, vous allez l'aider à avancer sa mission. Moi, je vois en vous des qualités. À moins que quand je découvre que tu n'es plus pour le ministère, je suis obligé de me séparer de toi. Parce que je découvre en toi ta manière de marcher avec le ministère, ta manière de faire le ministère, nous ne vont pas ensemble. Tu dis ministère, mais ton comportement est différent du ministère. Je ne fais pas chemin avec toi. Parce qu'on marche avec celui à qui on voit. La Bible dit quoi? Si deux personnes marchent ensemble, doivent s'entendre. Vous, on ne les entend plus, on a besoin de se séparer. Amen. Amen. Vous voulez que cet esprit règne au sein de ce ministère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'unité d'esprit, nous devons nous entendre. Si c'est un show, je vous ai dit, je suis devenu comme un père, prêt à écouter, prêt à agir, prêt à écouter, prêt à agir. Amen. Amen. Voilà. Mais voyons tous de la même manière. Manifestons l'amour. Et c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Je suis en train de faire. Il y a un frère qui m'a appelé, le frère qui est parti d'ici, Patrice. Il m'appelle pour que déjà la liste de tous ceux qui sont dans le ministère, votre nom, votre chaussure.
et pour sa conduite, je le remercie. Quand j'irai à Bijan, il y a Ahmed qui va faire passer ça par mail, m'envoie son mail, qui va faire passer ça par mail. Et nous allons nous battre comme ça pour que chacun d'entre vous reçoive quelque chose du ministère. Qu'on ne sente pas qu'il y a des problèmes d'argent. Qu'on ne sente. C'est pas arrivé. Non, c'est le combat que je suis en train de mener maintenant. Il faut que vous soyez à l'aise. Mais en même temps, vous devez vous investir dans ce ministère. Corps et âme dans ce ministère. La dame est venue la dernière fois m'envoyer des costumes. J'ai appelé les pasteurs, il dit tenez costume. Je n'avais plus de costume. Deux. Je vais donner le costume. Tenez. Amen. Amen. Bon, je ne suis pas compliqué. Je suis le genre, je ne suis pas compliqué. Moi, le matériel ne m'a dit rien. Je suis délivré du matériel. C'est-à-dire, moi, je peux regarder des livres de 200 000. Ça ne peut rien me dire. Amen. Amen. Parce que je connais le pouvoir de donner. Donc, vous êtes avec un leader dont l'argent même, lui, il a pour donner à quelqu'un, c'est rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce qui doit régner parmi nous, c'est l'unité d'esprit. Moi, je suis prêt à m'investir en vous. Mais je suis le genre de gens, quand j'ai beaucoup, que toi, tu deviens mon diable. Ah. Quand il dit ah, c'est que toi et moi, on ne peut pas faire finance. C'est-à-dire, il a tout fait pour t'aider. Mais si tu te couvres, tu ne peux pas changer. Mais les autres vont vous faire un hommage. Ils sont dans une logique. Parce qu'on est enfant des diables. L'enfant des diables. L'enfant des diables. Oui, bien. Tu ne réclames pas à ton père. Ah, ils sont dans son papa. Ils sont là. Ah, ils sont dans son papa. C'est comme ça. Tu as récemment ton papa. Et les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Ça ne dit rien de servir Dieu. Ça ne dit rien. Tu as beau faire parler rien. Quand tu lèves les œufs, c'est les œufs du diable qui te dégagent. Tout ce qui est la spiritualité ne dit rien. On va appeler rien. Tout c'est rien. Ces personnes, je ne marche pas avec eux. Ce qui doit nous lier ici aujourd'hui, ce qui doit nous mettre ensemble, nous, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Tout le monde doit se tourner sur le christianisme. Si quelqu'un n'a pas cet esprit dans le milieu de nous, nous serons bien de se séparer de cette personne. Amen. Amen. Mais regardez ce qui s'est passé. Pendant que les gens étaient en train de s'unir pour faire avancer l'œuvre de Dieu, on dit qu'on doit se mettre ensemble pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Voici un élément parmi les disciples de Jésus. Vous voyez, parmi les petits, le comportement de quelqu'un. Chapitre 5. Chapitre 5, écoutez très bien. Mais un homme nommé Ananias, un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendu une propriété. Ils ont le bon, hein. Ah, ça dit, a vendu son chien, il a envoyé ça à l'apôtre. Puis l'apôtre a décidé, quelles sont les problèmes? C'est ça. Chacun d'entre nous doit chercher à savoir, il faut tout faire pour que le ministère puisse se prendre en charge. C'est pas une question de lui, non, moi, il faut que le ministère se prenne en charge. Nous, on a tous avoir des idées. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ne plus avoir besoin d'argent? Qu'est-ce qu'on doit créer pour que le ministère ait l'argent, suffisamment d'argent, pour pouvoir besoin de tout le monde? Ces idées-là, nous devons tous les mettre ensemble. On peut faire des affaires. Nous pouvons entreprendre des affaires au nom du ministère. Pour qu'il y ait de l'argent dans ce ministère, pour que le ministère puisse prendre les gens en charge. Cet esprit-là. Donc les gens vivent au nom. Bon, devant mon champ, l'autre a vendu son champ et envoyé. Ils ont déçu les pères. Ils ont déçu. Maintenant, voici Ananias va faire. Le monsieur. Il allait voir pour lui aussi. Puis où est les gens qui aiment toujours imiter les autres? Pourtant, ils n'ont pas des dents. Il n'a pas des dents, dégage. Lui, il va vendre pour lui. Hein, et allez, il a vendu pour lui. Allons-y. Et le redemption partie du prix. Il a retenu pour lui dire quoi?